Your Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, Excellency Edgar Lungu, President of the Republic of Zambia, Excellency Vice President of Liberia, Excellency my sister Vera Songwe, Executive Secretary of UNECA, Excellencies Ministers, Master Director General of African Center for SDGs, Mr. Belay Begasho, distinguished ambassadors and head of institutions, distinguished participants, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my appreciation for His Excellency President Paul Kagame for his commitment to the attainment of the development goals of the African continent. During his leadership at the helm of our organization, Africa has made considerable progress. Your country, Your Excellency, Rwanda, has made great strides in implementing Agenda 2063 and the Sustainable Development Goals. This is to say that the choice of Kigali to host this important meeting is not fortuitous. In this context, I am pleased to have the opportunity to address this conference on the implementation of the Sustainable Development Goals in Africa, reflections on a three-year journey, and to share a few points on what the African Union is doing and what we must do more together to promote sustainable development in Africa. Let me start by underscoring the convergence between Agenda 2063 and the Sustainable Development Goals, which provides space for coordinated efforts between the African Union Commission, the United Nations, and other partners to attain our objectives. Agenda 2063 and the SDGs converge at all levels, the goals, targets, and the indicators. The two agendas play an important foundation for the realization of sustainable development and transformation in Africa. Their integration into national development plans and strategies with appropriate oversight and coordination mechanisms will promote economic and social development while preserving our environment. Attaining the goals and targets of the two agendas requires unprecedented levels of cooperation among stakeholders, closer coordination at the national, sectorial, subnational, and community levels, with increased participation of the private sector. Civil society and development partners is needed in planning, implementing, monitoring, and reporting progress towards the implementation of the two agendas. We must act now and act in concert to implement, monitor, and report progress on these agendas. In 2018, the Secretary General of the United Nations and myself signed the UN framework for the implementation of Agenda 2063 and the 2030 Agenda for Sustainable Development in order to capitalize on these opportunities by undertaking joint activities and developing joint tracking, monitoring, and financing frameworks. The recent review shows greater coordination and good progress in spearheading the Africa Continental Free Trade Area data, ecosystems, monitoring and evaluation, migration, gender, climate change, peace, security, and development nexus. Excellence, distinguished invités, puisqu'il s'agit d'une réflexion, permettez-moi de me permettre une certaine liberté de ton. Et permettez-moi aussi d'utiliser une métaphore pour réfléchir à haute voix
avec vous sur le parcours des ODD depuis 3 ans, qui est le thème de notre conférence. Dans la vie des êtres humains, à 3 ans, un bébé sain de corps et d'esprit marche, il parle, il le fait mieux si les conditions de vie sont bonnes, quoique les conditions ne sont pas forcément optimales en Afrique, et c'est une évidence, à quelques exceptions près. Le bébé ODD marche. Il marche quand même. Il balbutie. Son langage n'est pas forcément très intelligible. Ses parents, la communauté internationale et particulièrement l'Union africaine, lui ont rêvé une vie meilleure qui est contenue dans les deux agendas 2063 et 2030. Mais il faut se poser la question, lui ont-ils créé les conditions et qu'il les voulait, les pouvait-il? Aussi, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'axer ma réflexion sur la triptyque intégration, prospérité et paix, qui est le triptyque qui résume le contenu de l'agenda africain, l'agenda 2063. Commençons par l'intégration. Sans l'intégration, point de salut pour un continent de plus d'un milliard d'habitants, mais fragmenté en une constellation d'une cinquantaine d'États. Le passage de l'OUA à l'Union africaine, qui est une organisation d'intégration, est l'expression de cette volonté politique. Le traité d'Abuja en 1991 envisageait la mise en place d'une communauté économique africaine. On a vu la naissance des communautés économiques régionales. Il y en a au moins 8 qui sont reconnues par l'Union africaine. Plus récemment, dans le cadre de la réforme de l'Union africaine, et je voudrais rendre un hommage au président Kagame qui est en charge de ce dossier, aussi bien dans la réforme financière qu'institutionnelle, un accent particulier a été mis sur la nécessaire intégration du continent. Vous savez qu'il a été décidé que dorénavant, le sommet du mois de juin-juillet soit un sommet de coordination entre les communautés économiques régionales et l'Union africaine, et nous allons inaugurer la première session dans quelques jours, le 8 juillet, à Niamey. Nous avons également, en 2018 et ici à Kigali, lancé le CFTA, la zone de libre-échange continentale. Cet accord a eu le nombre de ratifications nécessaires et il est entré en vigueur depuis le 30 mai. Nous allons, le 7 juillet prochain, le lancer officiellement à Niamey. C'est un pas significatif dans le sens de l'intégration. Nous avions lancé également cette même année le marché unique en matière de transport aérien. 28 États africains ont adhéré à cet accord qui, je l'espère, va permettre le décloisonnement du ciel africain. Nous avions également, par la même occasion, lancé le protocole de libre circulation du droit d'établissement du passeport africain. Là, malheureusement, il faut le dire qu'à ce jour, il n'y a que 2 États, le Rwanda et un autre, qui l'ont ratifié. On ne peut pas rendre effective l'intégration du continent si on n'ouvre pas les frontières, si on ne donne pas la possibilité aux travailleurs, aux entreprises d'aller d'un pays à un autre, de s'installer et d'y travailler. Je suis venu hier soir de Malabo, où se tiennent les assemblées annuelles de la BAD,
qui ont pour thème également l'intégration du continent africain. J'ai plaidé, comme cela se doit, pour l'augmentation du capital de la BAD et de la reconstitution du Fonds africain de développement. Mais il a été souligné que malgré les efforts, les questions de financement se posent et se posent crûment. Comment les ODD peuvent être une réalité dans un continent où la question du financement reste presque entière? Comment connecter en matière d'énergie, en matière de communication, le continent quand on n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir le faire? Le constat est là. Les ODD ne pourront jamais être une réalité si la question du financement n'est pas réglée. Des efforts en interne sont absolument nécessaires, mais un accompagnement également de la communauté internationale dans son ensemble l'est tout aussi. Le deuxième axe, c'est sur la prospérité. Il faut axer la démarche sur les secteurs prioritaires, notamment l'agriculture. Il a été décidé depuis un certain temps au niveau de l'Union africaine de consacrer au moins 10% des budgets à l'agriculture. Décision célèbre qui a été prise à Malabo et qui, malheureusement, dans beaucoup de cas, peine à être une réalité. Comment industrialiser le continent? Comment développer les mines, l'énergie? Comment axer sur les secteurs sociaux, l'éducation, la formation, l'emploi? La problématique de la jeunesse et du genre reste importante. La question climatique. Le troisième axe, c'est celui de la paix. J'ai souvenance, dans mes anciennes fonctions, que quand on discutait des ODD, les pays africains ont insisté d'intégrer la dimension paix et sécurité comme un des éléments qui puisse permettre à la réalisation de ces objectifs, chose qui a été faite. L'Afrique, malheureusement, est devenue un théâtre d'instabilité. Le terrorisme, les trafics de tout genre sont une réalité dans ce continent. Je me dois de dire qu'en plus de notre architecture de paix et sécurité, récemment, le fonds de la paix a été relancé. Je vois le docteur Kaberuka dans la salle. Merci beaucoup, docteur, pour ton soutien et tout ce que tu as fait dans la relance du Fonds de la paix, qui est doté maintenant d'un conseil d'administration, qui a pu requérir 116 millions de dollars de contributions des États membres. Certes, nous n'avons pas encore atteint l'objectif de 400 millions, mais nous sommes dans la bonne voie. Il faut que l'Afrique s'assume et s'assume notamment en assurant sa sécurité. Bien entendu, certains défis vont au-delà du continent et ne sont pas du fait du continent, notamment le terrorisme, qui est une menace à la paix et à la sécurité. Et c'est là, comme vous le savez, du ressort du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là aussi, une résolution importante est sur la table du Conseil de sécurité et nous demandons instamment nos partenaires à comprendre cette urgence et soutenir les efforts du continent africain. On ne peut pas atteindre les objectifs des ODD quand des pans entiers du continent africain sont sous la pression de l'insécurité. Des pays du Sahel, dans la Corne de l'Afrique, il arrive que des pays dépensent plus du tiers de leur budget pour des questions de sécurité, au détriment naturellement des secteurs sociaux, des indicateurs qui sont là pour pouvoir voir quels sont les pays qui ont rempli ou qui s'acheminent vers la réalisation des objectifs. J'ai parcouru ce matin le ranking qui a été fait. La plupart des États sont encore dans le rouge. C'est inquiétant, mais ça s'explique. Ça s'explique parce que les conditions minimales ne sont pas remplies. Je ne dis pas ça pour nous soustraire de nos responsabilités. Nous devrons viser l'excellence, nous devrons faire des efforts, améliorer notre gouvernance économique, politique, sociale,
compter sur nous-mêmes, changer notre façon de voir, mais il y a également, malheureusement, des contraintes objectives qui font que nombre de nos États n'épuisent pas, quoi qu'on l'ait voulu, atteindre des objectifs de millénaire. Le constat, nous l'avons fait le 6 mai dernier, quand nous nous sommes réunis dans le cadre de notre conférence annuelle avec les Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies et moi-même avions constaté le manque de financement pour la mise en œuvre des ODD. Je me félicite de notre coopération. Nous avons convenu, comme je le disais, en 2018, de travailler ensemble, puisqu'il y a une convergence totale entre les deux agendas, de faire l'évaluation, de faire même les rapports en commun. J'espère que le rapport que nous allons faire sera un peu moins grave que celui que nous examinons aujourd'hui. Mais il n'y a pas de miracle. Il faut réunir un minimum de conditions pour que la situation s'améliore. Les suivis, l'amélioration, les données statistiques sont une nécessité. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je conclurai en disant tout simplement que l'Afrique évolue dans un contexte des plus difficiles. Cela ne doit aucunement, je dis bien aucunement, nous donner une raison de désespérer. Il y a un potentiel extraordinaire dans ces continents, notamment ces ressources humaines jeunes ou nombreuses. Il faut s'en donner les moyens et de s'en convaincre. Les relations internationales ne sont pas bonnes pour l'instant. Le réflexe unilatéral commence à apparaître dangereusement. J'espère que les ODD connaîtront meilleur sort que les OMD. L'optimisme est de mise, même s'il n'est pas béat. Je vous remercie.